www.mediapart.com. Monsieur Ben Mpoko, la communauté congolaise connaît la plupart de tes deals. Et si tu oses nous défier, je suis capable de mobiliser la communauté congolaise pour venir dans ce que tu appelles l'ambassade toilette et demander ton départ immédiat. Celui que tu appelles président, mais tu connais très bien, si tu es intellectuel, qui n'est pas président, il n'a pas été élu. Il a été nommé selon certains deals qui ne marchent pas aujourd'hui. Si tu es un démocrate, mais tu connais ce que c'est les principes démocratiques qui font de quelqu'un pour devenir président de la République. Ton Félix, tu sais ce qu'il dit. Pas un président, il n'a pas été élu. Soit un voleur de banque, il est réputé, il est connu en Europe. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est connu. C'est un fausseur qui n'a aucun diplôme. CongoDialogue.com. Monsieur, je dis, c'est un arbre qui se cache derrière son ombre. Vous voyez ça? Ça signifie, c'est le même arbre. Il n'y a pas de FCC, il n'y a pas d'IDPS. C'est-à-dire, il n'y a pas la coalition. Il n'y a pas la coalition. C'est le même mouvement, c'est la même personne. Si nous devons aller de la genèse politique, de l'ascension au pouvoir de M. Félix, il a été nommé. Il n'a pas été élu. S'il était élu souverainement, on parlerait de la coalition. Une opposition qui fait ascension au pouvoir. Mais tout le monde connaît. Il a été nommé. Si on te nomme, mais tu es téléguidé par celui qui t'a nommé. Le verbe est parfois péjoratif, téléguidé, mais c'est ça. Dans ce contexte, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de coalition. Nous connaissons la genèse de la coopération entre l'UDPS pendant ses 37 ans ou 39 ans avec, je dis bien, les régimes en place. L'UDPS qui se targue d'avoir lutté pour le Congo pendant une trentaine d'années a été collaboratrice du maréchal Mobutu en faisant tuer des innocents. L'UDPS a cherché à collaborer avec Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, il était éveillé, il a chassé Étienne Tshisekedi jusque dans son village à Kamanakabanga, comment on appelle ce village là-bas. Mais qui ont permis à l'AFDR d'entrer au pays? C'est l'UDPS. Nous connaissons les contacts que les caciques de l'UDPS ont pris avec les leaders de l'AFDL bien avant qu'il n'entre. Ce sont les leaders de l'AFDL qui ont permis à Laurent Désiré Kabila d'entrer dans la salle de la conférence nationale pour participer, assister à la conférence nationale. C'est l'UDPS. L'UDPS a collaboré depuis longtemps avec Hippolyte Kajambere Kanembe, bien avant. Félix Tshisekedi a rencontré Museveni plusieurs fois, nous connaissons. Toutes ces rencontres qui ont été liées en Europe, dans tous ces hôtels. Mais l'UDPS était toujours de connivence avec les occupants, avec les terroristes qui sont venus terroriser le Congo et les Congolais. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi est devenu président, ce n'est pas par l'effet des hasards. C'est un plan qui était tracé depuis longtemps. Il n'a hérité que de dividendes de la coopération. Je dis bien coopération, ils aiment bien les termes, de son père, durant toute sa carrière, avec les occupants,
est le malfaiteur. Alors, moi, si, comme tu me demandes, si j'étais président, est-ce que je pouvais accepter la nomination? Et non, et que non. Et que non, je ne peux pas. Lui a accepté parce qu'il est boulimique. Hein? Il voulait bien devenir président dans sa vie, qu'on l'appelle le fils qu'un jour, président de la République. CongoDialogue.com. Vous voyez ça? C'est un chômeur de vocation qui n'a jamais travaillé dans sa vie. L'unique travail qu'il a presté au monde, c'est voler les banques. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, il n'y a pas de retraite quand on est voleur. Vous avez des preuves? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Je ne fais qu'accentuer sur ce qui a été dit et du fait qu'il n'a jamais dit le contraire. Mais on conclut que c'est vrai. Même ça sort de gens avec qui il a vécu dans le même patelin. Les gens avec qui il allait voler l'argent des banques. Donc, je ne suis pas contre lui. Je ne fais que relayer ce qui a été dit et ce qui est connu. Tu vas me demander aussi si j'ai des preuves qu'il n'a pas un diplôme et qu'il est fossoyeur, alors que c'est bien dit partout à travers le monde. C'est un voleur. C'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être là où il est. C'est un arriviste. Retiens bien le terme, arriviste. Comme ça, c'est ce que général de FAO a appelé, les Kino a appelé chancelier Kopamba. Tu vois? Et je me demande si c'est une chance ou c'est une malédiction pour lui, parce qu'il est candidat à la mort. C'est pour le Congo de Joseph Kasavubu, et non pas de la communauté internationale qui te garde là-bas comme étant leur cheval de Troie. Professeur Kilele, sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, on a vu Bokechu Premier qui a déchiré les drapeaux de la RDC et il a fait monter les drapeaux du Zaïre. Vous avez quand même une idée à propos de ça? Il n'est pas le premier au monde à déchirer ni à brûler le drapeau d'un pays. Mais je lui concède son geste. Je suis avec lui parce que ça fait presque une décennie que moi particulièrement, s'il faut fouiller mes anciennes interviews, que j'ai dénoncé les couleurs de ce drapeau. Bon, en ce moment-là, il n'y avait pas encore les YouTube, il n'y avait pas encore les WhatsApp et tout ce que vous voulez comme étant le média, des instruments de médias sociaux. C'est un drapeau qui n'est pas le nôtre. Ça a une couleur bleuâtre et non pas une couleur bleue. D'abord. Je pense que les linguistes trouveront la nuance quand je parle de couleur bleuâtre et de la couleur bleue. Et chez nous, c'est un peu la couleur bleu marine, bleu foncé même. Je sais qu'il y en a eu deux qui étaient changés à l'époque, l'indépendance, avec 6 étoiles, soit 6 ou 8, et une bannière traversant, jaune, etc., bleu de part et d'autre, etc. D'abord, la couleur bleue elle-même devait être foncée. Je pense que l'Union européenne a triché de nous. Quand vous voyez la couleur du drapeau de l'Union européenne, et européenne je vais dire, cette couleur-là, c'était ça la couleur de notre drapeau. Ils ont mis des étoiles, notre drapeau avait des étoiles. Et donc il y a eu une imitation quelque part, bien que chez eux ça soit un cercle, chez nous c'était aligné à gauche. La couleur bleuâtre que porte le drapeau actuel n'est pas notre. C'est une couleur du drapeau qu'on trouve au Rwanda. Et peut-être sous d'autres yeux. Ce n'est pas notre couleur. Alors, pour ne pas faire une analyse esthétique de ce tissu que nous appelons
de ce morceau de tissu que nous appelons drapeau, eh bien, Bokejo a raison. C'est un drapeau que nous devons continuer à brûler parce que ça célèbre l'occupation et l'agression du pays d'une manière symbolique. Et malheureusement, les Noirs modernes ne font pas attention aux symboles et aux signes. J'en ai dit plusieurs fois. Nous ne faisons pas attention aux symboles et aux signes. Et même à certaines paroles, mais les symboles et les signes signifient beaucoup de choses qui sont cachées. Alors, le drapeau, c'est un morceau d'étoffe, mais qui cache beaucoup de choses derrière lui. Il cache beaucoup de choses. Alors, je soutiens Bokejo et je soutiens les autres qui vont le faire. Je pense, d'ici la fin de l'année, je vais aller dans une usine textile pour imprimer l'ancien drapeau congolais avec les 6 étoiles. Et je vais garder ça chez moi à la maison et dans mon bureau. Et tous ceux-là qui voudront aussi l'avoir peuvent venir acheter ou je peux leur donner patriotiquement, je peux leur donner gratuitement. Donc, nous devons déchirer, brûler ce drapeau. Le drapeau qu'il a placé du Zaïre, bon, soit, c'est un beau drapeau. Bon, mais il y a eu aussi d'autres interprétations à l'époque de Mobutu. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais avoir l'étoffe, il y a une beauté reflétée dans les drapeaux du MPR. Et c'est notre drapeau. Je peux l'adopter. Et je ne pense pas que la sorcellerie sort directement. Si l'on doit élever ce drapeau-là, on peut adopter ça. Mais, parce que nous sommes les Bana-Congo, nous pouvons maintenir ou faire revivre l'ancien drapeau de l'indépendance, garder ça à mémoire de l'indépendance. Quand bien même que nos ancêtres ne se sont pas battus pour l'indépendance, ils s'étaient battus pour la souveraineté de notre pays. Parce que sémantiquement, il y a une différence entre la souveraineté et l'indépendance. Économiquement et politiquement, on ne peut pas être indépendant. C'est comme qui dirait, un enfant qui vient de naître ou qui vit est indépendant de ses parents. Or, jusqu'à la fin de notre vie, nous dépendons quelque part, si ce n'est pas économiquement, mais socialement, philosophiquement, de nos parents. Les conseils qu'ils nous donnent font que nous dépendons d'eux. La nourriture qu'ils nous donnent en naissant, nous dépendons d'eux. Bon, nous pouvons grandir, être adultes et partir. Nous ne sommes pas indépendants parce que les cordons ombilicales nous lient toujours à nos parents. Alors, dans la diplomatie, je ne pense pas qu'il y ait des pays indépendants. Les pays sont et doivent être souverains. Quand on est souverain, ça signifie qu'on est libre de prendre ses décisions et d'engager les relations diplomatiques de son pays vis-à-vis d'autres pays sans aucune obligation d'un autre pays tel que la métropole, l'ancienne colonie. Parce que vous savez, la plupart des présidents africains ne sont pas présidents. Tu peux me prêter le terme, ce sont des régisseurs, ce sont des régents. Ils sont en train de régenter le pays. Ils ont été nommés, raison pour laquelle ils ne prennent pas de décisions souveraines. En ce moment, tu peux voir ce qui se passe avec les pays africains. Il y a ce qu'on a appelé et ce qu'on continue à appeler le précaré français, les anciennes colonies françaises, qui sont comme de fermes des Français où ils gardent des animaux, qui n'ont aucun droit de quitter si leur maître ne leur permet pas de quitter.
Alors, la France veut garder les relations avec ce pays qu'elle a créé. Ce pays n'a aucun droit d'engager des relations avec la Russie, par exemple, avec la Chine. Avec l'intrusion de la Chine aujourd'hui et la Russie qui est en train de devenir petit à petit, tu peux voir comment la France et les autres pays occidentaux sont en colère. Comment vous permettez que la Chine vienne? Comment vous permettez que la Russie revienne? Comment? Et les présidents africains sont en train de trembler comme des petits chiens. Ils sont en train de trembler parce que leur maître leur disent de ne pas faire ça, sinon on va te tuer, sinon on va te démettre, on va remplacer une autre marionnette à ta place. Alors, en réagissant de cette façon, ça prouve que nos pays ne sont pas indépendants. Nos pays sont, enfin, nos pays ne sont pas souverains. Nos pays sont dépendants des métropoles. Alors, nos ancêtres se sont lités. C'était l'été pour la souveraineté et non pas l'indépendance. Parce que quand Joseph Kasavubu et Simon Kimbangu avaient parlé de Kimpwanza, ils ne voulaient pas dire l'indépendance. Parce que le monde entier utilise le système de troc. Le monde entier. Ça signifie, quand moi, j'ai une viande, toi tu as ton riz, tu ne sais pas comment manger ton riz sans viande. Tu me dis, écoutez, mon ami, donne-moi un morceau de viande, je te donne une petite quantité du riz. Je mange, tu manges. Et ça se pratique partout comme ça. Donc, on est interdépendant. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas d'indépendance. Parce que si tu étais indépendant, tu allais dire, je vais continuer à manger mon riz, je n'ai pas besoin de ta viande. Moi, j'allais dire, bon, je vais continuer à manger ma viande. Peut-être ceux qui sont indépendants. Ce sont les félins, ça signifie les carnivores. Parce que les carnivores ne mangent que la viande. Ils ne mangent pas les herbes. Et ils ne mangent pas autre chose. Les félins, les léopards, les tigres, tout ça, eux sont indépendants. Ils ne mangent que ce qu'ils veulent manger. Mais l'être humain a besoin de construire un pont, de construire une maison, d'avoir de l'or, d'avoir des médicaments que certains pays ne peuvent pas inventer, ne peuvent pas fabriquer, etc., etc. Ils vont trouver ça ailleurs. Donc, nous sommes interdépendants. Mais nous avons besoin de la souveraineté pour prendre nos décisions souveraines. Vous voyez ça? Et cela nous manque, nous, les pays africains. Et c'est ce que nous devons chercher à conquérir et à acquérir, coûte que coûte. Malheureusement, c'est pour cela que les pères indépendantistes sont morts. Et ceux qui ont osé hausser le ton, Patrice Émilie Lumumba, Ahmed Sékou Touré, l'Osageifo ghanéen Kwame Nkrumah, et le martyr moderne Thomas Sankara. Ceux qui se sont comportés en collabo, ils sont connus, ils ont survécu et ils ont atteint leur vieillesse. Et ils ont été célébrés comme étant des héros, des icônes mondiales. Malheureusement, ceux-là qui voulaient et qui demandaient la souveraineté de leur pays, eh bien, leurs vies ont été prédatées et nous les manquons aujourd'hui. Et ils sont jetés dans l'oubliette de l'histoire politique parce qu'ils ont osé dire non. CongoDialogue.com Ok, professeur Kilélé, nous voyons la coalition FCC et Tshilombo. Si vous étiez le président de la République, pouvez-vous accepter cette coalition? Moi, en tant que Congolais, patriote et nationaliste, nous n'avons pas besoin de la coalition de ces gens-là au Congo. Nous luttons pour la souveraineté de notre pays. Nous n'avons pas besoin de partis politiques au pays. Vous voyez? Nous n'avons pas besoin de coalition, parce qu'il n'y a pas une coalition là-bas. C'est un arbre. Non, il y a eu la coalition parce que on voit que du côté de la FCC, ils ont eu quand même certains postes, tels que la défense, on a donné à Fatshi,
le ministère d'Agriculture, et si vous, vous étiez le président, pouvez-vous accepter de prendre certains postes et que l'ancien président, qu'il prenne la force, l'armée? C'est ça qui est ma question. Pouvez-vous accepter si vous étiez le président de la République? Monsieur, je dis, c'est un arbre qui se cache derrière son ombre. Vous voyez ça? Ça signifie, c'est le même arbre. Il n'y a pas de FCC, il n'y a pas d'IDPS. C'est-à-dire, il n'y a pas la coalition. Il n'y a pas la coalition. C'est le même mouvement, c'est la même personne. Et si nous devons aller de la genèse politique, de l'ascension au pouvoir de M. Félix, il a été nommé. Il n'a pas été élu. S'il était élu souverainement, on parlerait de la coalition. Une opposition qui fait ascension au pouvoir. Mais tout le monde connaît. Il a été nommé. Si on te nomme, mais tu es téléguidé par celui qui t'a nommé. Le verbe est parfois péjoratif, téléguidé, mais c'est ça. Dans ce contexte, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de coalition. Nous connaissons la genèse de la coopération entre l'UDPS pendant ces 37 ans ou 39 ans avec, je dis bien, les régimes en place. L'UDPS qui se targue d'avoir lutté pour le Congo pendant une trentaine d'années a été collaboratrice du maréchal Mobutu en faisant tuer des innocents. L'UDPS a cherché à collaborer avec Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, il était veillé, il a chassé Étienne Tshisekedi jusque dans son village à Kamanakabanga, comment on appelle ce village là-bas. Mais qui ont permis à l'AFDR d'entrer au pays? C'est l'UDPS. Nous connaissons les contacts que les caciques de l'UDPS ont pris avec les leaders de l'AFDL bien avant qu'il n'entre. Ce sont les leaders de l'AFDL qui ont permis à Laurent Désiré Kabila d'entrer dans la salle de la conférence nationale pour participer, assister à la conférence nationale. C'est l'UDPS. L'UDPS a collaboré depuis longtemps avec Hippolyte Kajambere Kanembe, bien avant. Félix Tshisekedi a rencontré Museveni plusieurs fois, nous connaissons. Toutes ces rencontres qui ont été liées en Europe, dans tous ces hôtels. Mais l'UDPS était toujours de connivence avec les occupants, avec les terroristes qui sont venus terroriser le Congo et les Congolais. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi est devenu président, ce n'est pas par l'effet des hasards. C'est un plan qui était tracé depuis longtemps. Il n'a hérité que de dividendes de la coopération. Je dis bien coopération, ils aiment bien les termes, de son père, durant toute sa carrière, avec les occupants et le malfaiteur. Alors, moi, si, comme tu me demandes, si j'étais président, est-ce que je pouvais accepter la nomination? Et non, et que non. Et que non, je ne peux pas. Lui a accepté parce qu'il est boulimique. Hein? Il voulait bien devenir président dans sa vie, qu'on l'appelle le fils qu'un jour, président de la République. Ah, mais moi, je ne voulais pas être président dans un pays souverain qui est calme, où on respecte les droits de l'homme, le droit de tout le monde. Je peux contribuer à la construction de mon pays. Parce que le Congo n'a jamais été construit. Je peux contribuer
en étant un enseignant, en étant un balayeur, en étant n'importe quel poste, aussi longtemps que je reçois mon salaire et que je fais mieux ce que je peux faire dans la petite prébende qu'on m'a donnée des pouvoirs et des devoirs et des responsabilités, je serai content. Lui a rêvé d'être ce qu'il est et de le faire mal. Oui, moi je rêve de devenir président. Si cela va arriver, je ne peux jamais entrer dans des magouilles de ce genre. C'est bien pour des arrivistes. Vous voyez ça? C'est un chômeur de vocation qui n'a jamais travaillé dans sa vie. L'unique travail qu'il a presté au monde, c'est voler les banques. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, il n'y a pas de retraite quand on est voleur. Vous avez des preuves? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Je ne fais qu'accentuer sur ce qui a été dit et du fait qu'il n'a jamais dit le contraire. Mais on conclut que c'est vrai. Mais ça sort de gens avec qui il a vécu dans le même patelin. Les gens avec qui il allait voler l'argent des banques. Donc, je ne suis pas contre lui. Je ne fais que relayer ce qui a été dit et ce qui est connu. Tu vas me demander aussi si j'ai des preuves qu'il n'a pas un diplôme et qu'il est fossoyeur, alors que c'est bien dit partout à travers le monde. C'est un voleur. C'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être là où il est. C'est un arriviste. Retiens bien le terme, arriviste. Comme ça, c'est ce que Général de Fao a appelé, les Kino a appelé Chancelot Kopamba. Tu vois? Et je me demande si c'est une chance ou c'est une malédiction pour lui, parce qu'il est candidat à la mort. CongoDialogue.com. Oui. Alors, moi, je ne peux pas accepter. Je suis d'abord nationaliste. Le terme fait mal, mais tous les pays du monde qui se respectent, qui sont souverains, sont d'abord nationalistes. Trump porte, lors de sa campagne, des képis, on écrit « America First ». Ça traduit le nationalisme. D'abord les intérêts américains. Les Français te diront d'abord les intérêts français. Raison pour laquelle ils tuent des présidents qui osent dire non. On a enlevé le nationaliste Gbagbo, Laurent Gbagbo, parce qu'il voulait mettre en place une république, une véritable république, où, qui devait devenir souveraine. Et non pas à la traîne de la France. Tu connais les résultats. Alors, je disais donc, tous les pays qui se respectent, qui sont souverains, sont nationalistes. Et moi, je les suis. Que cela fasse mal aux gens, mais je n'ai aucune honte. La Chine est nationaliste, le Japon, tous ces pays, d'abord, sont nationalistes. Et donc, ils sont patriotes, ils sont souverains. Les autres, en Afrique, n'en sont pas. Un type comme moi, ah ben, je ne peux pas accepter un cadeau empoisonné de ce genre, tout simplement parce que je voudrais qu'on m'appelle président un jour. Mais là où je suis bien dans ma peau et je n'ai pas besoin d'être un président très très voleur. Okay, et incompétent. Et antipatriote. Je ne peux pas l'être. Je ne peux pas être, tu sais ce qu'il dit? Je ne peux pas être comme Ben Mpoko. Ce sont des antipatries, ces gens-là. Moi, je suis patriote. Je suis congolais. Je suis lumumbiste. Et je veux demeurer avec des idées de tous ceux-là qui ont défendu leur patrie contre l'humiliation et contre l'invention et l'exploitation. Si moi, j'étais président comme lui, ma première priorité serait d'abord de fermer toutes les frontières du Congo. C'est ça la priorité. Et les hommes en armes ne manquent pas. Je devais lever l'armée congolaise. Et fermer toute la frontière. Et il y a des candidats, jeunes, vieux, comme adultes, pour être prêts à défendre la République. Pas aller signer des contrats léonais
Parce qu'on a peur, on demande aux armées des envahisseurs, Rwanda, Burundi, Uganda, pour venir combattre les Maïmaï. Eh bien, qu'ils viennent, nous allons les manger, nous, les Kivusiens. Nous allons manger ces gens qu'ils amènent là-bas. Nous ne sommes pas des Kinois qui dansaient et qui chantaient à tout moment. Nous, nous sommes des guerriers. Et nous allons prouver à Tshisekedi que si lui blague avec nous, les Kivusiens, nous allons les manger. Et c'est ça le programme que nous avons. Nous allons les manger. Afin de pouvoir donner la fierté à la République démocratique du Congo et non pas donner la fierté à des envahisseurs qui humilient le Congo au quotidien et les Congolais. C'est ça ma priorité. D'abord la défense du pays, la sécurité du pays. Le reste viendra après et non pas devenir un Magellan. Partout où on est à travers le monde, on est en train de voyager pour faire quoi? Oh, il va chercher les investisseurs. Mais est-ce que c'est son travail, lui, de chercher des investisseurs? Quelles sont les tâches de tous ces ministres qui sont dans ce qu'il a appelé ministère? Mais s'il a l'agriculture, mais écoutez, envoyez le ministre de l'agriculture pour chercher les investisseurs, envoyez le ministre de telle des finances, c'est ça le boulot, et qu'on lui amène les rapports, c'est ça un chef. Mais quel est ce chef-là qui doit faire tout le travail? Hein? Mais ça, c'est le cumul des fonctions. Quel est ce président qui devient Magellan partout? Il va faire quoi? Et qu'est-ce qu'il ramène au pays? Prouvez qu'il y a développement au pays. Nothing. Je lui conseillerais de démissionner et de ne pas avoir honte. C'est un gourmand qui voulait amasser de l'argent et je pense en ayant ces 8 mois, il a battu les records de vol. Ça lui suffit. Il peut prendre sa retraite dorée quelque part. On nous dit qu'il a acheté beaucoup de maisons. Ça suffit. Et qu'il cesse de narguer les Congolais, lui et Benempoko. Qu'il cesse, qu'il laisse les Congolais tranquilles. Les Congolais cherchent des voies et moyens de libérer leur pays. Ils n'ont pas besoin de traîtres à la tête du pays, de traîtres et des incompétents comme lui. Le Congo appartient aux Congolais. Et nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte du sang, physiquement et théoriquement, comme nous le faisons. Et Kagame doit savoir que la vérité sera connue après sa mort ou après son abdication du pouvoir, quand les gens vont découvrir que le Rwanda, c'est un pays de femmes, parce que tous les hommes auront déjà été tués au Congo. Parce que nous tuons nombreux parmi les Rwandais. Et c'est une honte qu'un Africain comme lui se mette à dépeupler les pays africains. Cela prouve combien de fois M. Kagame est un imbécile qui doit payer le prix un jour. CongoDialogue.com. Nous sommes tous des humains. Nous avons besoin de vivre sur Terre en harmonie. En améliorant nos conditions de vie, nous tous, et non pas en étant avares, anthropophages et carnivores, comme les Rwandais le font. Kagame, Hippolyte Kagame et Kanembe doivent savoir que les Congolais n'oublieront jamais tout ce qu'ils font aux Congolais et que nous ne les appellerons plus nos frères ni nos voisins. Nous pouvons nous entremarier entre nous, mais la rancune demeurera pour toujours. Vive le Congo de Lumumba. Vive le Congo de Kasavubu. Vive le Congo des Congolais. Abat l'envie et la jalousie des Rwandais des pays voisins. Abat le vol. Abat le soubassement des idées qui caractérisent nos voisins.
Je vous remercie. congodialogue.com